Salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode chez les notaires qui recrutent. Mon dossier d'acquisition d'un studio d'enregistrement avance, j'ai trouvé mon bien et aujourd'hui je vous emmène bosser avec Kevin, collaborateur clerc de notaire. Allez, suivez-moi à la découverte de son job. Bonjour Kevin. Bonjour Géry. Bon, je viens de voir avec mon dossier d'acquisition. Ouais. Il paraît que toi, t'es clerc de notaire, c'est ça? C'est ça même. Alors moi, je connais pas ce job. Tu vas m'expliquer en quoi ça consiste par rapport notamment à mon dossier? Eh ben alors, dans le cadre de ton dossier, je vais le prendre tout d'abord. Ouais. Je vais prendre plusieurs informations essentielles pour pouvoir le constituer. Ok. Et puis, suite à ça, je vais demander beaucoup de pièces. Et puis, à réception de l'ensemble des pièces, eh ben, je vais rédiger l'acte. Et puis avec le notaire, on va organiser la signature, et puis tu vas venir signer, et puis tu seras propriétaire. Bon, ben super. Ça a l'air simple. Ouais. C'est pas le cas? Non, pas tout le temps. Non. D'accord. Donc toi, tu rédiges, c'est ça? Beaucoup c'est de ça. Rédaction. Beaucoup de rédaction, oui. C'est un métier de l'ombre quand même, non? Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que on reçoit quand même le client, que ce soit physiquement ou au téléphone. Donc, on a un contact direct avec le client et c'est ce qu'il apprécie parce qu'il sent qu'on est proche de lui. Bon, quelles études tu as fait pour en arriver là? Quel est ton parcours? Alors, moi, j'ai fait BTS Notariat, donc... Bac plus 2 sur Le Mans. OK. Ensuite, j'ai fait un an, donc licence professionnelle des métiers du notariat à Alençon. Et puis, j'ai terminé par diplôme de l'Institut des métiers du notariat à Rouen. Donc, tu as vu du pays, quoi. J'ai vu du pays. Aujourd'hui, tu exerces où? Alors, j'exerce à Briouze, dans okay. l'Orne. Donc, à la campagne, plutôt? À la campagne, plutôt. Et si je veux exercer en ville? Ben, si tu veux exercer en ville, il n'y a pas de problème. Hein. C'est les mêmes diplômes, même voir, si tu veux, pas forcément faire Bac plus 4, mais Bac plus 2 ou autre. En tout cas, toute étude recherche des collaborateurs. Hein. Donc, c'est possible. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce job? Moi, ce qui me plaît, c'est surtout le fait que ça soit varié. Hein. Comme tu dis, on fait beaucoup de types de dossiers, hein. Succession, divorce, vente, du droit commercial, du droit rural. Chaque journée est différente. Ok. Mais tu pourrais devenir notaire, toi? Oui, je pourrais devenir notaire. C'est pas d'actualité en ce qui me concerne, mais effectivement, un clerc pourrait compléter ses études tout en restant dans l'office où il est via une formation continue. Ok. En tout cas, il y a une évolution qui est possible. Il y a une évolution qui est possible. Ok. Bon, c'est génial. Et alors, quelles qualités il me faut pour faire ton job finalement? Bon, on va dire qu'il y en a trois. On va dire la rigueur, ouais. La confidentialité, hein, forcément. Hein. Donc, tu vois que là, il y a beaucoup de dossiers, mais ils ont été mis. Ils ont été on mis à l'envers pour pas que tu puisses voir les noms. Ok. Et puis. La technique forcément du droit. D'accord. Et puis même l'organisation. Ouais, j'allais dire, il faut être un peu organisé. Là, si je te demande un dossier en particulier, tu es capable de le retrouver? Là, je peux le retrouver, ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, et pour mon dossier, Kevin? Et bah, du coup, donc moi, je vais constituer ton dossier. Hein. Je vais demander toutes les pièces nécessaires. Je vais vérifier tous les renseignements importants. Et puis, dès que j'ai un dossier complet, je reviendrai vers toi. Par contre, Géry, il y a un métier important chez nous et on l'oublie souvent. Ah bon? C'est le comptable de l'office. Donc, je te recommande d'aller le voir. Ok, merci. Collaborateur, mais si tu dis clair, on comprendra. Alors moi, c'est plutôt terre, mais si tu veux travailler à la mer, il y a des offices à la mer. Hein. Un métier accessible dès le BTS. Avant ou après le travail, Géry? Voilà, Géry, ton dossier. Merci beaucoup, Kevin. Et merci pour la découverte de ton job. Je t'en prie. Bon, moi, sur tes bons conseils, je vais aller rencontrer le comptable de l'office notarial. D'accord. Et si vous avez envie de postuler, rejoignez Kevin, ses équipes, d'autres offices notariaux un peu partout. Et rendez-vous au prochain épisode. Bon, Kevin, prêt à devenir notaire? Et pourquoi pas toi?